Jean Lauzon, c'est mon nom. Photographe depuis l'âge de 17 ans, donc bientôt 50 ans de photographie. J'ai pratiqué différents métiers autour de la photographie. J'ai fait du journalisme, j'ai fait beaucoup de photographies de rue, j'ai publié quelques livres. Transcanadienne sortie 109, le premier, j'avais 25 ans. C'est l'âge où il faut faire des choses. Hein. Ceux qui ont 20, 30 ans, là, faites-les parce qu'après ça, c'est plus difficile, ça nous tente moins. Après ça, j'ai fait un autre petit livre sur Drummondville qui s'appelle Drummondvillois. Récemment, il y a eu un roman sur le Suaire de Turin. C'est autre chose, mais j'y ai introduit une problématique photographique dans la mesure où moi, je donne la recette du suaire avec des procédés photographiques. Fait que le roman s'appelle L'image de Dieu. Aux éditions de l'Homme, à un moment donné, la photographie sans professeur. Donc, mes professeurs à l'université m'ont dit « Publie pas ça, t'auras pas de job après », mais bon. J'ai fondé à Drummondville en 2003, un travail que j'ai commencé en 2002, mais j'ai fondé le premier musée de la photographie que le Québec a jamais connu, que j'ai dû quitter en 2016, après avoir été bizarrement, et c'est un euphémisme, bizarrement congédié. Donc, le musée tel que je l'avais conçu à ce moment-là n'existe plus. Il y a encore quelque chose, mais ce que moi, j'avais pensé faire n'existe plus. Et donc, c'est relativement récent, donc 2016. Puis là, bien, je me remets de ça. Puis à l'âge où je suis rendu, bien, bientôt la retraite. Puis là, bien, je... Mais j'ai d'autres projets en cours, évidemment. C'est vous qui avez réalisé ça, non? C'est moi, c'est moi. Oui, ah, c'est vous, c'est moi, ouais. Ah, c'était beau, ah, oui, très bien. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait ça, j'ai conçu le projet que j'ai présenté à la Ville pour le 200e anniversaire en 2015, là, puis ça a été accepté. Puis on a monté ça. Fait que c'est des images qui rappellent, sous différents termes, là, qui caractérisent l'histoire de Drummondville, l'aréna, le sport, la danse, le folklore, les travailleurs avec la Sélanise, le barrage, évidemment, qui est à l'origine du développement économique de Drummondville. Fait que basé là-dessus, on a choisi des photos, puis la Ville a financé le projet, puis ça a été installé en juin 2015. Fait que ça donne... puis c'est une belle façon, je trouve, de regarder des photos, parce qu'au lieu d'être de face, ça oblige le spectateur à se promener autour puis à aller trouver le bon point de vue pour regarder. Là. Fait que je trouve ça le fun comme façon de présenter des photos, finalement. Bien, ma photo préférée, c'est une photo que j'ai prise au musée d'Orsay. Mais ça montre une statue qui semble se réveiller d'un long sommeil et donc qui apparaît comme étant vivante. Puis juste à côté d'elle, il y a un petit garçon qui est appuyé sur son coude puis qui est endormi. Et puis dans cette image-là, ce qui se produit, c'est que l'enfant, qui est un être en principe vivant, dort, alors que la statue, qui est en principe... un être mort se présente comme étant vivant. Une proposition philosophique, c'est de René Thom, je pense, un philosophe mathématicien, et je cite, « Les choses sont complexes. » Fin de la citation.